Merci beaucoup d'être venu ici ce soir pour voir ce nouveau film. Cela fait 10 ans que je le prépare et maintenant je suis heureux de vous le présenter. Il s'appelle À travers les films et il est vrai, est un peu autobiographique. J'espère que vous l'apprécierez à sa juste valeur. En tout cas, pour l'instant, moi je vous souhaite bon film. Bonjour Paul, vous avez bien fait de me contacter. Les tests que je viens de vous faire passer sont formels. Vous êtes atteint du syndrome d'Asperger. Ce syndrome affecte tes relations avec les autres. Tu as sûrement des difficultés à te faire des amis, mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Oui, je voudrais être normal. Je voudrais être comme les autres, monsieur. La thérapie va aller dans ce sens. Nous allons donc commencer par faire quelques jeux de rôle. Il y a une vérité importante à connaître. Je m'appelle Paul Damiens et je suis autiste Asperger. Dès que je le peux, je viens m'isoler dans la forêt à côté de chez moi pour lire des livres sur le cinéma. C'est ma passion. Tous les autistes en ont une. Moi, c'est le cinéma. J'ai même un rêve. Devenir réalisateur. Mais j'ai voulu qu'il reste secret. Car le monde me faisait peur. Tous les matins, je me réveillais en essayant de cacher ce que je croyais être un handicap. J'avais honte de ma différence et détestais cette chose qui évoluait à ma place. Bonjour, une place pour le royaume du soleil levant, s'il vous plaît. Merci. Voilà pour vous. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour monsieur, c'est pour quel film? Monsieur? Le royaume du soleil levant. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Le royaume du soleil levant. Excusez-moi, j'ai rien compris. Royaume du soleil levant. Ok. C'est 5 euros. Bonne séance. Et dites pas merci surtout. J'étais différent, et bien sûr les autres m'en voulaient. Coups, moqueries, insultes. C'était mon quotidien. Les autres me détestaient, j'avais peur des autres. Un bon équilibre, quand on y pense. Au fond, je n'étais pas triste. Je pensais que tout cela était normal. Salut. Tu veux jouer avec nous au foot ? Quand j'étais en famille, avec mes cousins, on jouait au football. À l'extérieur, personne ne me proposait jamais de me joindre à eux pour une partie. À la place, je les regardais jouer. J'ai longtemps regretté d'avoir dit non à leur proposition. Alors, comment tu l'as trouvé ? Bien, ça va. Tu as commencé à réaliser ? Non, pas encore. Tourne de simples vidéos pour t'entraîner, ça te permettrait de te faire la main sur les plans et puis ça serait bénéfique pour toi. Hein. Je sais pas. La connaissance, c'est bien. L'entraînement, c'est mieux. Tu crois qu'il est devenu grand comment, Alan Smithy ? En se tournant les pouces ? En prétendant avoir réalisé des films faits par d'autres ? Ouais, mais j'ai pas d'idée. C'est pas grave, tourne, prends ton smartphone, tu fais des vidéos et le reste, ça viendra après. C'est comme ça que ça se fait. Demande à tes amis. J'ai pas d'amis. Fais des rencontres, alors demande à ta famille. Ouais. Tiens. Merci. Au revoir. J'ai voulu faire du sport pour avoir un point commun avec les autres, mais ça s'est rapidement soldé par un échec. Le problème n'était pas ma capacité physique, mais ma confiance en moi. Je m'imaginais que le sport était quelque chose de facile, que je pouvais faire facilement, sans entraînement.
tous les autres y arriver. Pourquoi pas moi? Ah, c'est sympa ce que tu lis. C'est très sympa ce que tu lis. T'es en train de lire quoi? Ça va? Oui, mec. Est-ce que c'est parce que je suis arabe que tu me réponds pas? Non. Un livre de cinéma, ça? Oui. Et t'aimes bien ça? Oui. Ça te dirait de tourner un film? Ou un court-métrage? Oui. Parce qu'en ce moment, avec des potes, on est en train de faire un petit court-métrage. Et on manque d'effectifs. Ça te branche? Oui. Ah ben, c'est génial ça. Bah écoute, on tourne cet après-midi vers 15h un petit court-métrage à côté de la médiathèque. Si tu veux, tu peux venir. Ok. Bon, bah à tout à l'heure. A plus. A tout. Ciao. Mais je ne suis jamais venu. J'avais trop peur d'affronter le regard des autres. Trop peur de m'ouvrir, d'être vulnérable. En fait, j'ai réutilisé un peu la technique que vous m'avez enseignée, mais malheureusement, enfin, j'étais plus assuré. Mais voilà, j'ai toujours peur des autres, en fait, monsieur. As-tu ressenti du stress, des difficultés particulières? Que je suis incapable de me faire des amis. Mais avec moi, tu n'as pas peur. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je lui avais seulement répondu ces quelques mots. Réaliser le film de ma vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ici ce soir pour voir ce nouveau film. Cela fait 10 ans que je le prépare et maintenant je suis heureux de vous le présenter. Il s'appelle À travers les films et il est...